Le projet Voskopoyer sans frontières, dans lequel s'inscrit le chantier école de restauration de l'église Saint-Athanase, a été initié par l'association Patrimoine sans frontières, qui avait déjà travaillé en Albanie quelques années auparavant. C'est dans ce contexte que l'Institut national du patrimoine s'est inscrit dans ce projet afin de mener la direction scientifique d'un chantier école de restauration. D'autres partenaires européens ont été sollicités, d'abord l'atelier de restauration de Limbourg à Maastricht, aux Pays-Bas, et l'Istituto Centrale per il Restauro de Rome cette année, en 2005. On a également associé comme partenaires des historiens de l'art allemands de l'Université de Marbourg et évidemment des professionnels albanais de la restauration. L'église Saint-Athanase. Elle aussi présente un ensemble de peintures murales très important, réalisées par deux artistes dont les noms sont très bien connus, les frères Constantin et Athanase Zografi. Ils ont réalisé l'ensemble de peintures entre 1744 et 1745. Ces artistes sont des artistes originaires de Korcha. Pasi kjo është një pjesë shumë delikate. Kemi bërë një sipërfaqe të madhe. Les coupoles qui représentent le ciel sont occupées par diverses représentations du Christ sous les traits de l'Ancien des Jours, c'est-à-dire le Sage, celui qui est éternel, celui qui est, qui était et qui viendra. Je suis en train de préparer le travail d'injection. Alors ici, il s'agit de refixer la zone, la peinture, sur l'enduit de préparation. Donc la première étape, c'est d'injecter de l'eau alcool à l'intérieur pour pouvoir ramollir les écailles et favoriser la pénétration à l'intérieur des couches de la peinture. Donc maintenant j'injecte l'adhésif, si possible derrière les écailles. Maintenant, je pose un papier par-dessus. De manière à ne pas avoir de perte de matière, parce qu'ensuite, après avoir posé le papier, il s'agira de masser la surface avec les doigts, de manière à ce que les écailles reviennent dans le plan. Maintenant, il faut attendre à peu près 5 minutes. Et questo è tempera di commercio? Sì. Et l'étape suivante consistera à nettoyer toute cette surface. Donc en fait, ça se fait avec cette petite éponge, imbibée d'eau, enfin humide, on va dire. Donc on procédera par tamponnage.
Et on le fera plusieurs fois de manière à être sûr qu'il ne reste pas de colle sur la surface. Et toutes les écailles seront recollées de cette manière. She analyzes the...